Bonjour et bienvenue dans notre nouveau tutoriel Minecraft, donc l'épisode 3. Donc j'ai un petit peu agrandi la mine, c'est le matin donc il y a des ennemis. Donc voilà, j'ai trouvé de l'eau, donc je vais démonter au-dessus. Et là une petite caverne, mais rien d'intéressant. Je vais peut-être récupérer pour vous. Voilà. Alors nous allons continuer. Les ressources. Donc... j'ai pris des ressources, donc un peu de charbon, de la pierre, du bois, et j'ai trouvé qu'on pouvait s'enfiler une citrouille sur la tête. Je connaissais déjà, mais je vais vous le montrer. Alors, par contre, on voit très mal. Donc, j'aime pas trop. Bon, je vais peut-être aujourd'hui vous montrer comment utiliser donc le cactus. Voilà, je prends mon épée car elle doit avoir des monstres. Voilà, il y a une araignée. Elle n'est pas décidée à m'attaquer. Mais je peux si j'en ai envie. Donc, là, des restes de monstres. Hop. Donc, je vais juste aller voir ma caverne. Où j'ai pris à peu près toutes les ressources. À peu près. Je sais pas s'il en reste. Et normalement, après, nous allons tuer une araignée pour voir comment faire un arc. Donc, apparemment, il y a un monstre dans les parages. Donc, pas là. Il doit être par là. Oui, il est là. Donc nous allons le tuer. Ah mais c'était mal attaqué. Putain, il y en a deux. Mais il n'y en a pas de troisième. Donc nous allons tuer l'araignée, qui est un des monstres les plus coriaces. Oh non, il pleut. Donc la pluie, ben, c'est très énervant. Parce que je crois que le monstre il brûle pas et on peut pas voir où est le soleil. Donc normalement il reste toujours l'araignée, hein. Et après on va pouvoir se construire un arc. Alors. Ben non, l'araignée a disparu. Elle a dû s'en aller. Donc nous ne pouvons pas construire d'arc. Ah oui, le cactus. Je vais juste. J'ai de la viande, donc je vais me rassembler. Échappe. Non. Alors, il faut que j'aille prendre trop long. Table dans mon coffre et nous allons pouvoir commencer. Alors, sand, je vais dire sable, on va le mettre là. Je prends le cactus. Bon, après, on va se construire. Je vais vous montrer comment construire des choses. Donc, je pose le cactus là. Je mets ici. Et voilà, je crois qu'on peut faire plusieurs étages. Ouais. Donc on va faire un enrobée. Une petite tactique pour le cactus. Il nous faut déjà. Mais si on coupe le bas du cactus, on reçoit tout d'un coup. Donc
La limite de la queue est là. Donc on verra peut-être le soleil. Je sais pas. Ah, j'en ai encore. Regardez. Hop. Et voilà. Je vais mettre 3 blocs. Et un dernier. Hop. Et voilà. Donc nous allons continuer. Retourner dans la queue. Donc on va consommer la puce. Hop. Et vous pouvez faire une muraille. Après je vais faire le test. D'accord, je vais pas mettre le test. Ah, peut-être que je peux pas à côté. Donc j'allais voir. Non, je peux pas mettre le cactus à côté. Hop. Voilà. Voilà, ça va m'enlever la vie. Regardez. Ah, j'ai peut-être une meilleure tactique. Hop. Ouais, super. Le cactus. On fait 3 trous. Voilà, on récupère la terre. C'est vrai. Voilà. Hop. On va mettre le sable. Hop. 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 Hop, hop. Voilà. Ok, faut faire le bleu quand même. Regardez. Oh, ça fait mal. Ça enlève la moitié d'accord. Donc je vais m'enlever. Voilà. Donc vous pouvez vous faire des protections comme ça. Donc si on se met sous un arbre, la pluie s'arrête. Donc je vais vous montrer un peu de minage pour voir si on peut trouver une caverne déjà dans la montagne. Alors nous allons un petit peu continuer par là. Hop. Hop. J'essaierai d'en trouver une autre. Donc, il clignote toujours. Il fallait que je vous montre quoi. Hop, hop. Ben, j'avais récolté des ressources pour pouvoir aller. Et pour pouvoir me faire une maison entre temps. Donc pour pas perdre la maison de vue, il faut que j'aille faire chauffer la truc. Hop, hop. Pour pas perdre la maison de vue, ben là c'est un petit peu petit. Hein. Donc on va faire une belle entrée. Pour faire une belle entrée, donc enlever toute la terre autour. Voilà. C'est juste pour la déco, mais c'est bien. Alors, vous prenez du cobblestone, donc de la pierre qu'on a trouvée. Vous entourez votre maison. Voilà, symétrique c'est mieux, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc je vais me dépêcher. Voilà. Je vais vite vous montrer comment faire une porte qui pourrait servir. Voilà.
Et mes cordes. C'est là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une corde. On peut la faire en métal, mais on peut pas l'actionner à la main. Donc toujours la mettre de l'extérieur pour pas que les monstres puissent nous attaquer, mais nous on pourra. Donc si vous voulez tuer des monstres par rapport, comme ça, par le petit chemin. On va mettre quelques torches. Ça peut les faire fuir. Donc on va vite en construire deux autres. Donc on prend un petit peu de bois, ça me fait une réserve. Hop. Nous allons nous convertir jusqu'à en avoir 64. Voilà. Et nous allons faire des petits bâtonnets. Voilà, faut pas louer. 4. Et faire des torches. Donc, nous en avons 16. Donc, on peut faire une réserve de torches. Tiens, je savais pas que les bambous, ça pousse. Voilà, une petite maison sympa. Donc mon bambou a poussé, je sais pas comment, mais il pousse. Donc nous allons fermer. Et nous allons aller au repos pour la nuit. Et pour ceux qui se lassent de la nuit, nous pouvons faire un lit. Alors pour le lit, il faut de la laine et des planches de bois. Ça permet de passer la nuit. Et bien sûr, vous vous réveillerez dès qu'un monstre va vous attaquer. Donc voilà, de la laine en haut, du bois en bas. Et nous allons faire un lit. Donc la pluie s'est arrêtée. Hop, nous allons placer notre lit là. Et dormir. Vous approchez, vous faites clic droit. Et le temps a joué. Donc, le revoilà au matin. Donc les monstres sont en train de cramer. Et la journée est finie. Au revoir. Thank you.